manière générale, les réformes, ne pensez pas que c'est pas les réformes qui posent problème, ni l'économie qui pose problème, mais la pratique dans l'application de ces nouvelles lois, de ces réformes, de manière plus générale, les problèmes endémiques que la Turquie moderne connaît. Le professeur Petek parlait tout à l'heure de Hamit Bozarslan. Dans son ouvrage « Histoire de la Turquie moderne », il parle très bien de ces problèmes que la Turquie dont la Turquie n'arrive pas à se défaire, celle de la non-reconnaissance du génocide des Arméniens, ou plutôt du négationnisme d'État qui sévit en Turquie, de la question des minorités, je pense aux Kurdes plus particulièrement, celui de la société civile, il y a tout un passage dans le livre de Hamit Bozarslan qui parle de cela, et des problèmes plus récents, je pense aux 4500 arrestations de Kurdes, qu'ils soient militants et citoyens ces 7 derniers mois, des 18 maires qui sont en prison actuellement, des 8 députés, des 34 avocats, des 500 étudiants, des 70 journalistes. Je pense aussi à Rajib Zaragoglu. Ce dont je vous fais part là, ce sont les dernières communications de Reporters sans frontières et de l'Institut international de la presse, qui, je cite, dit que la Turquie est la plus grande prison du monde pour les journalistes. Je pense aussi à Rajib Zaragoglu, qui est cet éditeur turc, progressiste, militant des droits de l'homme, qui a été incarcéré dans une prison de type F. Et voilà, tout le monde s'émeut de l'emprisonnement de cet homme-là. Voilà, ma question est-ce que ce n'est pas seulement la mauvaise volonté de certains qui fait que la Turquie ne peut pas rentrer dans l'Union européenne, mais son problème endémique avec son histoire et les droits de l'homme ?